Cet épisode commence avec Soraya, qui est en train d'embrasser Luis Alberto. Celui-ci la repousse, et Soraya lui dit qu'elle veut être avec lui, même si cela se fait en cachette, et lui demande s'il veut vraiment être président de la société. Luis Alberto lui dit qu'il veut être président plus que tout au monde, mais pas de cette manière, et dit qu'ils sont des amis. Pendant ce temps, Daniela est en train de discuter avec Elena, et celle-ci finit par l'accuser de vouloir prendre la place qui revient à son fils, et Daniela lui dit qu'elle est sûre que c'est bien, elle qui est à l'origine de la vidéo. Elena est perdue, et demande de quelle vidéo elle est en train de parler. Léon leur demande de se calmer, et de revenir, à l'essentiel du jour, lorsque Luis Alberto et Soraya reviennent en salle. Léon lui repose la question, et aimerait savoir pour qui elle vote, et elle dit qu'elle vote pour Luis Alberto, et Daniela est déçue. Alors Léon félicite Luis Alberto, et dit qu'il est le nouveau président des entreprises Salvaterra. De son côté, Mariana est sur le point de rentrer à la maison, et Brittany lui demande de laisser passer un peu de temps, et elle est sûre que Luis Alberto va revenir vers elle. Mariana lui dit qu'elle espère bien, et espère aussi que Polo va vite s'en remettre, et s'en va. De son côté, Léon va dans son bureau avec Soraya, et lui demande ce qu'elle voulait faire, et dit qu'elle a failli jeter tous leurs plans dans l'eau. Soraya lui dit que cela était sa dernière tentative, pour récupérer Luis Alberto, et dit que cela n'a pas marché. Léon lui dit qu'il est le seul allié qu'elle possède, et Soraya lui dit qu'il a raison, et dit ensuite à Léon de faire attention à la façon dont il lui parle, et dit qu'elle connaît également ses secrets, et s'en va. De son côté, Daniela sort de l'entreprise, et Elena vient à sa rencontre, et lui demande, si elle ne lui félicite pas pour la victoire de son fils. Daniela lui dit qu'elle est contente de sa victoire, et dit qu'elle essaie en même temps de le détruire, en lui tendant des pièges. Elena est une fois de plus perdue, et dit qu'elle ne comprend rien à ce qu'elle veut dire, et dit qu'elle s'en fout, car bientôt Daniela et son fils vont sortir totalement de leur vie. Daniela lui dit qu'elle n'est pas si sûre de cela, et s'en va dans sa voiture, après avoir dit à Elena qu'elle-même sera la chute de son fils. De son côté, Luis Alberto réunit tous les employés à l'entrée de la société, et dit qu'il sera le nouveau président de l'entreprise à partir de maintenant. Il dit ensuite qu'il sait qu'il n'est pas son père, mais va faire de son mieux. Ils se mettent tous à applaudir, et le félicitent. Une fois parti, Résus demande à Coco si Luis Alberto va réorganiser l'entreprise. Elle dit qu'elle ne sait pas, et va lui demander. De son côté, Mariana va voir le père, et lui dit que Luis Alberto ne veut pas la croire, et demande ce qu'elle peut faire. Le père Guillermo lui dit que Luis traverse une crise, avec ce qui est arrivé avec son père. Il dit ensuite qu'il n'est pas un expert dans la technologie, et dit qu'il ne connaît même rien. Il dit que pour les piéger, la personne a dû mettre les caméras, pour avoir les images. Alors, Mariana a directement une idée, et dit au père qu'elle doit partir, et s'en va. Plus tard, Mariana va rencontrer Eleanor, et lui demande si elle n'a rien vu d'étrange chez Santiago ces derniers jours. Celle-ci se rappelle de la visite de Soraya, et dit à Mariana qu'elle n'a rien vu, et dit qu'elle a beaucoup de choses à faire, et s'en va. De son côté, Léon entre dans le bureau de Luis Alberto, et le félicite pour sa victoire. Luis le remercie. Et Léon lui dit qu'à présent, qu'il est le nouveau directeur de l'entreprise, il doit conquérir le Brésil. Il lui donne une étude de marché, et Luis Alberto lui dit qu'il a fait du bon travail. Léon lui demande alors s'il va partir, et Luis Alberto lui dit qu'il ne peut pas laisser Mariana seule, et dit qu'à présent, leur couple traverse une mauvaise passe, et elle attend son bébé. Léon lui dit qu'avoir un peu d'air lui fera du bien, et dit qu'il doit bien réfléchir. De son côté, Mariana est avec son chien, et est en train de parler de son couple qui est crise pour le moment. Pendant ce temps, Luis Alberto est en train de montrer le projet de Léon à sa mère, et celle-ci le trouve excellent.
Elle lui dit que Léon est un grand analyste, et Luis Alberto lui dit qu'il a également aimé son projet, mais ne veut pas laisser Mariana seule, alors qu'elle est enceinte. Elena lui dit qu'elle n'est pas seule, et dit qu'elle a Daniela, sa camarade Britney, et elle. Elena dit ensuite que Daniela lui a parlé d'un piège, et Luis Alberto dit à sa mère que son couple n'est pas bien à présent, et dit qu'il a une vidéo de Mariana dans la chambre de Santiago. Il dit qu'elle soutient que cela est un coup monté, et dit à sa mère qu'il a du mal à la croire, à cause des images. Elena lui dit qu'elle n'est pas la première femme dont le mari va en mission, et lui promet de veiller sur elle à son absence. De son côté, Britney est avec Polo, et lui dit que le médecin a dit qu'il pourra sortir dès demain. Il dit qu'il est désolé, et dit qu'il voulait simplement son amour, et se rend compte à présent que cela n'est pas possible, car elle aime un autre. De son côté, Soraya est dans son bureau avec Diego, et Luis Alberto entre, et demande à discuter avec elle. Soraya lui demande s'il a changé d'avis, et celui-ci dit non, mais aimerait la remercier de l'avoir donné son vote, et veut également lui parler de leur agrandissement en direction du Brésil. Puis, il fait pareil avec Uriel, et celui-ci trouve aussi l'idée bonne, et demande qui va le remplacer, à la tête de l'entreprise à son absence. Pendant ce temps, Patricia rentre du travail, et demande à sa fille si tout s'est bien passé avec sa sœur, et Moncé lui dit qu'elle n'a pas eu le choix que de s'occuper d'elle, et dit que cet enfant n'est pas le sien, et s'en va. De son côté, Elena est chez Léon, et sont en train de parler de Soraya, et Léon dit à Elena qu'elle devrait prendre le contrôle de l'entreprise, à l'absence de Luis Alberto, et Elena lui dit que cela est une bonne idée, et pourra être plus tranquille. Puis elle parle du cas de Mariana et de Santiago à Léon, et celui-ci fait semblant de ne pas être au courant, et dit qu'il ne s'attendait pas à cela. Pendant ce temps, Uriel est en train de discuter avec Soraya, et elle lui dit que Léon veut qu'elle soit la présidente par intérim, et lui dit qu'ils vont faire de grandes choses ensemble. Elle lui demande ensuite comment va Sofia, et il dit qu'elle est sa meilleure amie, et doivent se parler. Soraya lui demande de ne pas s'en faire pour cela, et se met à l'embrasser. En soirée, Mariana est en train de dîner seule, et donne son repas à son chien, ce qui ne plaît pas à Lizzie, qui lui dit qu'elle doit manger, pour avoir des forces, et Mariana lui dit qu'elle va faire un effort, si celle-ci reste à table avec elle. Luis Alberto entre dans la pièce, et Mariana lui demande s'il veut rester et dîner avec elle. Celui-ci refuse, prend un fruit, et s'en va. Le matin, Daniela est en train de déjeuner avec Santiago et Léon, et celui-ci leur parle du plan d'expansion de Luis Alberto. Santiago lui dit que cela a l'air d'une bonne idée, et lui demande à Léon qui va assurer la présidence de l'entreprise. Léon leur dit que cela sera Soraya, et Daniela n'est pas contente. Santiago lui demande pourquoi sa mère ne peut pas le faire, et Léon lui dit qu'il a pensé qu'elle ne devait pas être contente d'être l'intérimaire de Luis Alberto, et Daniela lui dit qu'il n'a pas tort. Léon leur dit alors que dans ce cas, Soraya est la seule vraie option qui les reste, à moins qu'il préfère Elena. De son côté, Mariana est une fois de plus en train de déjeuner seule. Luis Alberto arrive, et elle lui demande s'il veut se joindre à elle. Celui-ci refuse une fois de plus. Mariana lui dit qu'elle en a marre, et lui dit qu'ils ont perdu la complicité qu'il avait. Et Luis Alberto lui dit que c'est la faute de la troisième personne au milieu d'eux. Mariana lui dit que la troisième personne est bien leur enfant, et lui demande de s'asseoir, et de manger avec elle. Luis Alberto lui dit qu'il a beaucoup de choses à faire, et s'en va. Plus tard, Soraya est avec Luis Alberto, et lui demande ce qu'il pense de sa candidature, et celui-ci est un peu réticent. Soraya lui dit qu'il doit savoir qu'il a eu ce poste un peu grâce à elle, et dit qu'elle aura la même vision que lui, et cherche à le charmer. Celui-ci finit par accepter, et dit qu'il va convoquer une réunion des associés, et les annoncer la nouvelle. En réunion, tout le monde est d'accord que Soraya assume l'intérim de Luis Alberto, et cette dernière les remercie. Elena leur dit qu'elle ne pense pas que Daniela sera d'accord, et Léon lui dit que tout va bien, et qu'il a déjà discuté avec elle et Santiago. Une fois la réunion terminée, Uriel demande à discuter avec Luis Alberto, et lui dit qu'il doit repenser à ce qu'il lui avait dit, et lui dit que Soraya et Léon s'entendent plus qu'il l'imagine, et dit qu'il devrait garder un œil ouvert sur eux.
Luis Alberto lui dit qu'il pense qu'elle est la meilleure personne pour ce poste, et dit qu'il a compris. Luis rentre donc à la maison, et trouve Mariana en train d'arroser les fleurs. Il entre dans sa chambre, et se met à faire sa valise. Mariana vient le voir, et lui demande ce qui se passe. Il dit qu'il s'en va au Brésil pour affaires. Mariana lui demande comment il peut lui faire cela, alors qu'elle est enceinte. Luis Alberto lui dit qu'il est le président de l'entreprise actuellement, et dit qu'elle ne sera pas seule, et aura tout sur place. Mariana lui dit qu'il ne sera pas là lui, et lui supplie de rester pour leur enfant. Luis Alberto dit qu'il va réfléchir, mais ne lui promet rien, et Mariana le remercie. De son côté, Daniela reçoit un appel de Léon, qui lui informe de la décision de mettre Soraya à la tête de l'entreprise. Une fois terminée, elle le dit à son fils, et n'est pas heureuse de cette nouvelle. Ils sont abattus, et Santiago dit à sa mère, qu'il ne traverse pas la meilleure partie de sa vie, avec la mort de Don Alberto, et la perte de Britney. Sa mère lui dit qu'elle est désolée, et lui demande s'il ne peut pas la récupérer, et Santiago lui dit qu'il n'y a plus rien à faire pour cela. Daniela lui dit que c'est fou comment la vie peut changer aussi vite, et lui dit qu'ils vont s'en sortir. En soirée, Luis Alberto a fait ses valises, et s'en va pour le Brésil. Il arrive, demande à la chambre de Mariana, et veut entrer pour lui dire au revoir, il hésite, et finit par partir. Le matin, celle-ci se lève, et s'en va boire un thé à la cuisine. Lizzie lui dit qu'elle a une mauvaise nouvelle pour elle, et dit que son mari est parti, et lui a laissé une lettre. Mariana s'assoit, et lit la lettre, dans laquelle Luis Alberto lui dit au revoir, et dit qu'elle est libre de mener sa vie, comme elle l'entend, et dit qu'il va faire pareil de son côté, et dit qu'elle a le droit d'être, à qui elle veut, et où elle veut. Luis Alberto lui fait ses adieux, et dit qu'il sera néanmoins présent pour son enfant, et Mariana se met à pleurer. De son côté, Soraya arrive à l'entreprise, et dit à tout le monde, qu'elle est la nouvelle patronne, et dit qu'elle va désormais travailler dans l'ancien bureau de Don Alberto, et s'en va s'installer. Léon vient la voir, et lui demande de faire profil bas, et Soraya lui dit qu'elle agit comme elle le désire, ce qui surprend Léon. Diego entre dans son bureau, et elle demande à Léon de partir, car elle a beaucoup de travail. Léon lui dit qu'il voulait simplement la souhaiter la bienvenue dans son nouveau bureau, et s'en va. Une fois tout le monde parti, elle appelle Ornella, et dit qu'elle a besoin de son aide, et de sa liste de contacts. De son côté, Johnny et son père sont au garage, et sont en train de travailler, lorsque Britney arrive avec Polo, et ils sont tous contents de le voir sur pied. Polo leur dit qu'il a bien réfléchi, et dit qu'il doit partir vivre avec son oncle ailleurs, et ils sont tous tristes de son départ. Ils lui disent qu'il sera toujours un membre de leur famille, et Polo les remercie, et s'en va. De son côté, le chien de Mariana est en train de courir dans la propriété, et est appelé par quelqu'un. Pendant ce temps, Britney est en train de discuter avec Polo, et celui-ci lui dit que l'amour ne se force pas, et la seule chose qu'il veut c'est son bonheur. Britney lui dit qu'elle est d'accord, et dit qu'il va trouver une femme qui le rendra heureux. Polo la remercie alors de l'avoir pardonné, et dit qu'il sait bien qu'elle aime Santiago. Il lui demande de prendre soin d'elle, et s'en va. De son côté, Mariana est en train de chercher son chien, et ne le trouve pas. Elle va le dire à Lizzie, et ils se mettent à le chercher ensemble dans toute la propriété. De son côté, Soraya est en train de nettoyer son arme, et on vient lui dire que son colis est arrivé. Soraya sort de sa chambre, et voit le chien de Mariana, et se demande ce qu'elle peut bien faire de cela. C'est déjà fini pour cet épisode de votre série préférée, Les riches pleurent aussi. Abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a intéressé, et à bientôt pour une nouvelle sur Oni TV.